Alors bonjour Pascal, est-ce que tu viens du Grand Nord toi aussi, comme tous les autres là? Tout à fait, je viens de Meudon exactement, 92. Ah oui. T'as traversé toute la France là? Non, c'est-à-dire j'habite depuis 87 dans le Midi, mais je suis natif du Grand Nord. Ah, donc tu es venu habiter ici, quoi. Voilà, d'accord. Tout à fait. Et tu habites de quel côté dans le Midi? Moi j'habite à côté de Montpellier. Ah oui, Montpellier. C'est à Lunel exactement, à 25 km de Montpellier. Donc tu dois connaître la Rockabilly Night? Tout à fait. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, quel est ton nom de scène? Alors, mon nom de scène, comme sur le profil Facebook, c'est Pascal Double Bass. Double Bass. Alors, rappelons que Double Bass, ça veut dire... Contrebasse. Contrebasse. Pourquoi le choix de cet instrument? N'est-ce pas une contrainte pour les déplacements? Si, tout à fait. Mais au début, j'étais saxophoniste, je jouais dans un groupe qui existe toujours, qui s'appelle The Stars on Earth. Ok. Et donc, je suis venu à la contrebasse quand je suis venu habiter ici en 87. J'ai récupéré la contrebasse, en fin de compte, du contrebassiste, ouais, qui avait carrément arrêté de jouer définitivement. Et je me suis mis à la contrebasse en autodidacte. D'accord. Pas de professeur? Non. Tout à l'oreille, tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce qui te motivait? Tu avais une idole hein, quand tu étais jeune? Forcément, c'est pas parce qu'il y a Cliff, mais Gene Vincent et Johnny Burnett. Ah, Johnny Burnett, voilà. Ouais. C'est mes idoles, après je les aime tous, hein, mais bon, si je dois en mettre ouais, tous en avant, ça serait... Tu es né dans une famille de musiciens? Non, du tout. Pas du tout. Je piquais les disques à mes parents et c'est comme ça que j'ai découvert le rock'n'roll. Ah ouais, d'accord, ouais. Tu as déjà joué avec Cliff, non? Non, c'est la première fois. Je joue dans un autre groupe avec Denis, avec Red Denis, ouais, avec Alois and the New Swingsters. Alois. Donc encore avec The Stars on Earth. Ouais. Et puis bien d'autres groupes comme Charlie and the Full Moon Cat, The Susie Dice, enfin... Ok. Ben merci pour cette mini-interview et à tout à l'heure pour le concert. Y'a pas de soucis, c'est gentil à toi.